Bienvenue sur votre canal de santé, de bien-être et de loisirs créatifs. Aujourd'hui, je partage avec vous un jus exotique, voilà, qui est à base de fruits de la passion. Ça y est, le printemps a pointé son nez en avance, donc on essaie de se faire des petits jus intéressants. Voilà. Donc, ces fruits a une teneur très forte en antioxydants. Vous voyez comment... Alors, il y a plusieurs couleurs. Vous pouvez le trouver de cette couleur-là. Il y a le jaune quand il est assez frais aussi. Il est beaucoup plus gros quand ce sont des fruits vraiment qu'on trouve dans les îles, comme la Réunion. Voilà, tous ces petits coins sympas. Donc, nous, on se contente de ce qu'on trouve ici, en France. Il est riche également en vitamines B et C. Il protégerait les yeux et améliorerait la vue. Donc, il est assez chouette comme fruit. Vous voyez, quand on dirait pas, et des fois, il est léger et à l'intérieur, regorgé d'eau et de fruits, la chair. Donc, il est très, très chouette et il est recommandé pour faire le plein d'énergie. Donc, quand vous vous sentez un peu fatigué, que vous avez besoin de peps, vraiment, n'hésitez pas. Il a beaucoup de vitamines. Il est très, très riche. Donc, il vous aiderait à lutter contre la fatigue. Et les sommeils, pour les personnes qui ont des soucis de sommeil également, ils peuvent boire... ou manger quand vous ouvrez à la cuillère, voilà la petite cuillère. Donc là, je vais rajouter un petit citron vert, parce que le citron vert, moi je trouve que ça se marie bien avec le fruit de la passion. Le citron est riche bien sûr en vitamine C, vous le savez. Il est antiviral, antibactérien, et il a une capacité à stimuler le système immunitaire. Donc, pour tous les petits jus, tous les petits salades, entrées que vous pouvez assaisonner avec du citron, c'est très vraiment chouette. J'en profiterai beaucoup. Donc là, je vais rajouter une orange, un peu grosse. J'aurais préféré une un peu plus petite, mais aujourd'hui, j'en ai pas. Donc, je vais me contenter de celle-là. Donc, l'orange, pareil, qui est riche en vitamine C, qui est une source de calcium et de magnésium. Donc, ça se marie très bien aussi avec les fruits de la passion. Voilà pourquoi. Donc, je vais faire ça. Après, si vous voulez, cette fois, je ne mettrai pas du gingembre. Si vous voulez une petite note de gingembre, vraiment, les gingembre qui est anti-inflammatoire, antiseptique, qui aide à la digestion, qui soulage les nausées. Voilà, qui est un allié minceur, il serait chouette. Moi, je préférerais comme ça. Après, voilà, il y a peut-être une petite note aussi d'eau naturellement, comment dire, gazeuse que vous pouvez mettre pour avoir une petite note de bulle. Voilà. Si vous souhaitez, soit Perrier, soit Badoit, soit nature. Moi, je veux le faire nature. Voilà. Allez, c'est parti. Vous voyez à l'intérieur comment c'est regorgé d'une bonne chair bien fraîche. Voilà. Je vais le mixer dans le mixeur. Et on va le boire tout net. Vous récupérez. Et vous mettez dans le mixeur. Voilà. Donc, je fais pareil pour toutes les trois. Après, je découpe l'orange. Le citron, je mettrai un demi-citron. Voilà. Et puis, je vais tout mixer. C'est parti. Joli fruit de la passion. C'est les printemps, il fait beau. C'est la période des jus. C'est parti. Allez, voilà.
Tac. Voyez comment se regorger un peu d'eau en même temps. C'est très très riche. Waouh, la classe. On va se faire plaisir. Donc là, vous commencez à filtrer. J'ai récupéré. Voilà. Donc vous avez le jus. Je vais continuer de filtrer parce qu'il m'en reste encore. Voilà. Et vous récupérez que le jus. Et voilà. Et là, vous pouvez mettre une petite feuille de menthe. Et c'est parti, quelques glaçons. Et le tour est joué. Savourez, partagez, likez si vous avez aimé. Au plaisir. L'astucieuse maman éveille et merveille avec ses merveilles créations. À bientôt.